Bonjour Maud, alors tu filmes bien l'accordéon. Regarde, le Do, c'est le deuxième bouton en partant du haut. C'est celui, ah, t'as vu quand t'appuies, tu sens, ça gratte. Et donc tu vas mettre le pouce dessus. Le Ré, c'est très simple pour trouver le Ré. T'as une touche noire entre les deux, et hop, c'est le Ré. Et t'as vu ton accordéon, il fait des diagonales tout le temps. Tu pars en diagonale, tu vas mettre le premier, donc le pouce sur le Do, le 2 sur le Ré, hop, tu descends d'un tout petit cran en diagonale encore, tu es sur le Mi. Et puis tu remontes et oh, la touche, pareil, elle est rayée, c'est le Fa. Et tu redescends comme du Ré au Mi sur le du Fa au Sol. Donc ça va te faire 3, 4, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Il faut que tu me le fasses 3 fois d'affilée sans faute, sinon tu recommences à zéro. Et après, tu vas me faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et hop, ton pouce il va aller pile sous le sol ici. Ici? Ici sur le La. La. Et là après, comme si tu allais sur le Ré, tu vas me faire La, Si, Do. Do avec le 3. Et t'as vu le dernier Do, il est rayé aussi. Ouais. Donc pour la semaine prochaine, je te demande de me faire lentement mais sans erreur la gamme de Do. Ça va te faire 3, 4, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Attention le pouce, La. Si, Do. Do. Voilà pour la main droite. Si tu veux faire le bateau, c'est la note qui est le plus haute. Oh, le bateau. Voilà. Et la comme souris ça, si tu veux t'amuser, la souris, c'est tout en bas, c'est la plus aiguë. Ah oui. Voilà. On travaille que la main droite cette semaine. La semaine prochaine, on travaillera la main gauche. Travaille bien. Rouge, rouge. Hop.